achète. On s'en va présentement à l'aventure, à Saint-Fulgence, au Saguenay, au festiciel. Pour faire du parapente et s'amuser. Non, on va faire d'autres choses aussi. On va faire de la randonnée. Toutes sortes de choses, là. On va aller se promener sur le bord du Cap Jaseux. On s'en va au camping du lac Jaseux. Fait qu'on a. On est prêt. Présentement, on est en plein milieu d'après-midi. Il fait 4 degrés Celsius. On est le. 1er septembre. 1er septembre. Fait qu'on a emmené des tucs, puis du linge, puis. Fait qu'on est dans le parc, on s'en va là-bas. On va avoir une belle aventure. Yeah. Avez-vous ma nouvelle patente? C'est moi, en miniature. Vous avez vu? Les petites turbulences. Ouais. D'accord, on s'en va là. Oh, une belle étape. Un bout de fête, de 4 degrés Celsius. Il mouille. C'est une mexicaine? Oui, c'est vrai. Poutine de l'étape. Mm. Bon, ben on repart de l'étape. Je sais pas si vous voyez, mais. Et oui, il y a des grains de neige qui tombent. Et voilà, on est arrivé. On est installé au Cap Jaseux. Il fait plus chaud que dans le parc là. Il fait à peu près 13-14. Fait que. Un matin, on va aller voir ça. Gang de capotés là-bas. J'espère que ça va voler. Demain, je pense que ça va être la plus belle journée. Je croise les doigts. J'entends des voix. Samedi matin. Salut, salut. On s'en va voir à la butte à Saint-Fulgence pour commencer. Ça a l'air qu'il y a une petite brise là. Puis après ça, ben, il y en a qui parlent d'aller voir au Mont-Valin. Ça serait vraiment pas pire, ça, aller voir au Mont-Valin. Quand on part, on va aller rejoindre l'autre gang de capotés là-bas. On vient de monter en haut du Mont-Valin. On va prendre la trail pour se rendre. Il y a déjà du monde qui vole. Ça vole? Un matin, j'ai fait un vol à Saint-Fulgence, puis j'ai oublié la caméra dans le trot. J'ai fait commencer par avoir une sled assez rapide. Puis je suis remonté, puis comme on vient pour repartir, ben, le vent remonté. Puis j'ai volé à volonté, là, une bonne demi-heure peut-être, là, le temps que c'est mon beau-père qui est venu se parquer en bas pour m'attendre. Donc, c'est ici, les amis. C'est le sentier pour se rendre. Mon valet. Ça, c'est mes nouveaux amis français. Je les ai rencontrés à la butte de Saint-Fulgence. Et puis, ça, je vais faire un petit lift en même temps. Fait qu'ils viennent avec moi au Mont-Valin ici. On va aller voir de quoi ça a l'air. Comme je disais tantôt. Ah oui, j'ai fait un super beau vol à Saint-Fulgence. J'avais laissé la GoPro dans le camion. Puis je pensais pas que ça pourrait être bon. J'ai juste décollé puis j'ai pas pris le temps d'aller chercher la GoPro. J'ai fait un super beau vol. Fait que je pense que j'ai eu des photos puis Anne-Marie aussi a pris un petit vidéo. Fait que si je les ai, je vais mettre ça là. Oh,
faut le tailler, monsieur. Ah oui, il lève. Fait que c'est ça, c'était un super beau vol. Et je continue mon chemin pour le belvédère du Mont-Valin. Pour décoller de là, je pense que c'est parce que la butte là-bas, là, c'est là que je m'en vais. En arrière de la butte là. On est rendu en haut du Mont-Valin. C'est là que ça se passe. Du monde qui vole là, on va bien. L'atterrissage. Le parking là-bas. Avant ici, il y a un petit lac. Je pense qu'on le voit pas, il est en bas ici. On peut atterrir en bas là, dans une petite clairière. Bon ben, c'est pas évident. Le vent est tout le temps crosse. Il n'y a pas eu de pof du bon bord depuis 20 minutes, une demi-heure. Il y a beaucoup de monde encore en attente pour décoller. Donc, je pense que je vais redescendre à pied. J'ai essayé de pogner Saint-Fulgence un petit peu là. Il y a déjà 5h et quart peut-être là. On redescend à pied. Bon ben retour au camping après le Mont-Valin. Je pense que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est la. En parapente, la même chose que le kite s'applique, c'est never leave wind for wind. Donc, je suis parti, j'étais allé à Butte à Saint-Fulgence, j'ai fait un super beau vol. J'ai atterri parce qu'il était temps de partir pour le Mont-Valin. J'ai laissé le vent. Je suis parti, je suis monté au Mont-Valin. Arrivé en haut, les conditions n'étaient pas très bonnes pour décoller. Je me suis dit, tant pis, je repack. Puis avec un peu de chance, je m'en viens ici. Puis je pogne une belle petite fin de veillée à Saint-Fulgence. En arrivant en bas, je me rends compte que les autres avaient décollé. C'est peut-être pas le vol du siècle, mais au moins ils ont décollé. J'aurais pu faire une silette. J'arrive ici, puis c'est miroir, il n'y a plus une graine de vent. Fait que, c'est ça le parapente. Écoute, au moins j'ai fait une silette à matin puis un beau petit vol de soaring sur la butte. Fait que Mont-Valin, ça sera pour un autre jour. Puis on attend demain. Demain, il sera pas chaud, il sera pas beau, mais il va peut-être venter de l'est. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Fait que retour camping, on va souper avec la famille. Tout de même, un autre beau feu à soir. Puis on va se revoir probablement demain. Faites attention à vos yeux, hein? Ouais. Faites attention les yeux. Ça va pogner. Salut. Un chien qui dort. Ok, bougez les vite, vite. Pas des lignes. Oui, ça fait des lignes. Wow. Ah oui, des grands ronds. Ah oui, c'est cool ça, des grands ronds comme ça. Un rond de feu. Ouais. Vite. Plus vite que ça, plus vite pour voir les lignes. Dimanche matin, salut, 9h20, on sort du camping. Aujourd'hui, ça a l'air d'être une journée assez prometteuse. Je viens de recevoir un texte d'Éric, puis ça vole à la butte à matin. Puis après, peut-être à Douzac. Fait que je vais essayer ce coup-là de traîner ma caméra pour filmer. Là. Fait que je m'en vais à la butte. Et quand Éric disait que ça volait à la butte, je pensais qu'il y avait un ou deux gars qui s'essayaient. Je sais pas si vous voyez là. Avec la GoPro, c'est peut-être loin, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ailes dans les airs là-bas. Fait que, en retard, je suis en retard. On va clasher, on va aller voir ça. Bon, petite marche en montant. Saint-Fulgence. Et puis, le décollage est juste en haut. Ça va aller en haut, ça vole tout plein là. Fait que, on va essayer de se squeeze un petit vol. Ah non! Je pourrais pas emmener ma caméra, je pense que j'ai pas mon truc pour mon. Sur mon casque. Oh. Ouais. J'ai pas l'adapteur pour mettre la caméra sur mon casque, le petit truc. Bon, je vais essayer d'amener la caméra avec moi. Avec le manche. Donc, puis je m'arrangerai peut-être douce à voir si je peux trouver de quoi. J'arrive au déco. Ça va, Jimbo? Ah ben toi! Hein? Pas pire. Bon, prépare-tu ton vlog, là?
C'est fait, je suis en train de ramasser des images. Des images, c'est bon. Il n'y a pas d'image de vol encore. Parce que là, on s'ennuie, pas de vlog. Hein? Ça s'en vient, ça va s'en venir. Et hop, on est rendu à Tadoussac. On a décidé, il y avait 14 ailes dans les airs là-bas. Ça volait à Saint-Fulgence. J'ai peut-être pas appris que Never Leave Wind for Wind, là, on n'est pas pire. C'est bon. Il y a même pas mal de vent, fait que je pense que je vais commencer avec ma mini-voile. Ça va donner une bonne idée. Fait on a un petit commando qui sont venus essayer Tadoussac avant que tout le monde arrive. On va voir ce que ça donne. Wow! Je vole avec ma mini-voile! Tadoussac! C'est malade! Oh yeah, là j'ai pas la petite patente pour mettre sur mon casque. Ça fait que... ça pique un peu. Ça fait que je peux pas mettre sur mon casque, je pourrais pas voler tout le temps, vous enregistrer tout le temps, mais là... C'est malade, ben raide! Okay. Oh, regarde, on va piloter un peu. Ok, là je fais un essai, j'ai planté la caméra en avant de moi. C'est pas très très droit. Mais bon. Je vais prendre la cabriole. Tadou, tadou, tadou! Et je vole la Tonic 16. C'est mon premier vrai grand vol avec elle. J'essaie de vous le tenir un peu droit. Je commence à avoir du monde un peu sur le ridge. Mais bon, il y a quand même de la place. Ah, elle vire tout en croche un peu. On a un peu d'hauteur, on n'a pas d'injambe de personne. Rock on! Hey Sandra! Woo! Denis qui est là-bas, le presidente. On vire en avant de lui. Et hop! Bon virage. Ouais, c'est malade. Il y en a qui s'amusent en avant de la dune. Je pense que moi, je vais rester plus conservateur, un peu plus conservatif. Conservateur. Wouhou! Ouais, c'est fou. C'est malade. Ok, matin, je pense que je suis parti un peu trop tard pour réussir à prendre un petit morceau de Saint-Fulgence à... Wow! J'ai passé dans la turbulence d'une autre voile, là. Fait que je pense que j'ai parti un petit peu trop tard pour pogner... Pour pogner du bon Saint-Fulgence. Il y avait déjà 14 ailes dans les airs quand je suis arrivé. Fait qu'on est parti puis on décide de venir directement ici à la place avant que les autres viennent nous rejoindre. Fait que c'est ça que j'ai réussi à prendre une couple de minutes là en n'étant pas beaucoup de monde sur le ridge. Puis c'est encore pas si pire là. Il y a un peu de monde mais c'est pas... C'est encore pilotable en masse là. Fait que... je suis vraiment content d'être venu là. Je peux voler ma mini-voile enfin. Comme il faut. Je suis vraiment satisfait avec la... La sellette aussi, c'est Alain qui vendait ça. Sellette Dudek Ultralight ou je sais pas quoi. Fait que c'est sûr que je ferais pas un genre de cross de 4 heures là-dedans. Là. Mais je pense que pour voler ici en arrière à Tadoussac, là, je pense que c'est super bon. Ce genre de vol-là, c'est super bon. On va aller pour là au-dessus de l'eau. Pour faire un petit wing peut-être. Des mini wings. La voile est pas... c'est réactif, c'est rapide là, mais c'est pas le maringouin que je m'attendais. Ok, ben ça pourrait aller vite là, vouloir donner... je donne pas beaucoup de break. Ça pourrait aller... ça pourrait aller vite. Ça pourrait aller vite là, se donner un peu là. Ok. Bon, ben, je continue. Oh, ça descend ici, faut que je colle au bord, colle au bord, colle au bord. On va décoller le bois un peu, là, plus vite que je pensais. Ouais.
Et là que ça se passe. Fait qu'il risque d'arriver beaucoup de monde tantôt ici. Fait que ça va être une journée achalandée, mais si ça reste comme ça, avec une couple d'atterrissage, puis qu'il n'y a pas trop de grabuge, là, ça devrait être bon. Bon, il n'y a pas personne qui s'amuse en bas. Fait qu'on va essayer d'aller faire un atterrissage. Je sais pas si ça va, là, hein? Fait qu'on va approcher en crabe comme ça. C'est le long. Yeah, man! Oh, petite puff. C'est parti, c'est là que ça se passe. Oh, pas dans l'île, attends, là. Oh, yeah! Oh, pas là, je suis perdu. C'est malade, Bered. Wouh! Yeah! C'est fou. Prends une petite gorgée de Warpaw. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Vol numéro 2! Oh yeah! Oh yeah! Tout le monde est rentré. Je pense que ça monte un petit peu. Moi, mini, c'est tout beau, tout beau, tout beau! Yeah, vol numéro 2! Super beau! Là dans le milieu, espérant que ça tienne bien ce coup-là, comme ça, on va piloter. Hop, ça va. Et ça va. J'ai pas mis le vario aujourd'hui parce que, écoute, on a pas besoin. Ouais, ça, c'est bien plus calme comme ça, puis de toute façon, je vais m'habituer à voler avec un petit peu moins de... C'est moins stressant aussi. Vite, là, ça bip en fou. Comme là, c'est stressant quand t'entends le gros bip bip bip. Tandis que quand t'as pas de bip bip, là, ça monte, mais tu stresses moins. Même chose quand ça se met à descendre. Tu peux le sentir, tu le vois, on est plus proche du relief. Puis c'est bien plus calme comme ça, pas besoin d'entendre tout le temps un bip bip. Je pense que même que je fasse du soaring, je mettrai plus de vario. Je vais enregistrer avec sur mon téléphone à la place de vol. Si jamais je veux savoir la durée ou l'altitude, etc., ben je pourrais voir par après. Même si je ne sais pas en direct, c'est pas la fin du monde là, en soaring. On monte jamais vraiment en haut. Donc, le harnais Mia de Dudek. Il faudrait que je fasse un petit ajustement parce que je suis comme un peu penché vers en arrière. Puis j'ai peut-être les abdos qui travaillent un petit peu, fait que faudrait que je me sois un petit peu plus droit dedans. J'ai pas pensé tout à l'heure d'ajuster les straps avant de partir. Je fais ça plus tard. Ben écoute, ça vole en masse. C'est super, c'est super light. C'est un modèle avec des cuissards. C'est ça que j'ai pour un paramoteur. Je fais pas du tout, mais j'aime bien ça pour les faire du transfert de poids. Là, c'est super efficace. C'est quand même assez c'est assez confortable, mais comme je disais tout à l'heure, je ferais pas des crosses de 2 heures là-dedans. Là. J'espère que vous avez une belle vue de là, je pense que ça va sortir comme image. Yeah! Wouhou! Ouais, quand on descend avant. On descend avant le dos là, un peu plus là. Là c'est vite par exemple. Là on se rend compte qu'on a de la vitesse en 6 minutes. Encore beaucoup de monde en vol. Beaucoup de monde qui décolle. Tout le monde en haut. J'étais chanceux, j'ai profité moi. Il n'y avait pas trop de monde tout à l'heure. Il y a une petite accalmie, mais ça se passe. Ah, c'est Rémi.
Oh, beaucoup de monde qui ont fini en bas. Qu'est-ce qui se passe là? Bon ben, vol numéro 3. Ça a baissé pas mal. On va laisser pareil, au pire, on va monter à pied. Pas plus long que ça. Bon ben, vol numéro 3. Je me demandais s'il y avait assez d'air pour un mini encore. Non, non, merci. On part un autre gros vol. Je vais vous mettre en avant parce que là, j'ai mieux prendre mes deux mains, il y a un petit peu de trafic. J'ai replacé un peu la sellette. J'ai remonté le dos un petit brin. Fait que je pense que je suis... Ouais, je suis mieux. J'assis un peu plus droit. Mais c'est correct. Ah, donc il décolle. Oh yeah, buddy! Wouh! Yeah, man! Ouh, yeah! Oh my god! C'est trop hot, c'est trop hot, c'est trop hot! Oh yeah! Wouh! Yeah! Que de beaux moments! Peut-être si mes straps de jambes étaient un petit peu plus rapprochés. J'ai peut-être un peu la poche au vent. Ah, oh, ici c'est bizarre, ça donne, ça arrête, ça monte, ça descend, ça... Ça doit être le gros tandem à jauque là, qui me bloque tout le vent. Yeah! Wouh! Oh, il y a du trafic là. Oh my god. Attention Rémi! Ok, c'est bon! Ok, on atterrit. C'est bon. Ça c'est bien la caméra, Eric? J'en garde, mais je suis plus obligé. Sérieux? Non. Comment tu te sens d'être en avant ce coup-là? Hein? Surtout que t'es en avant d'une fille, là? Ouais, en avant d'une fille. Hein? Yo les gars! Là. J'ai assez les papillons de même, là! Non, ça va bien se passer, ma belle. Bon ben, on va aller voir ça, on va voir. Non, c'est 16. Ok, ça a l'air de se calmer un peu. Avec un peu de chance, on va pouvoir rentrer là. Hey! Mon atterrissage. Ouais ben, c'est fini là, le monde a tout droppé, puis ça rentre side. On a eu du fun aujourd'hui, on va laisser ça de même. En arrière, comme un petit peu de pluie peut-être. Fait que, toujours la tête tout ça, que c'est malade, 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 mental. Oh. Ouais. Je pense que on va tomber dans mon top 5 facile cette journée-là. Facile. Top 3 peut-être. Fait que, t'as de repacter ça. Retour de Tadoussac. Oh, c'était fou, c'était vraiment beau. Je pense que tout le monde a eu du fun. C'était vraiment une belle journée, comme j'ai dit tantôt. Donc, on retourne au camping. Allez voir ma gang. Bon, retour de Tadoussac. Fait que, merci pour le bon spaghetti. Le spaghetti avec de la soupe au tomate. Oui, oui, merci beaucoup. Ça remplit un trou. C'est super bon. Eliott, explique-moi devant la caméra comment tu fais pour manger des biscuits aux pépites de chocolat
puis avoir plein de graines de biscuits sur le nez puis dans le front. Explique-moi comment t'as fait. Fais-moi, fais-moi, fais-moi. Oh là là. C'est le temps de dépacter. Aujourd'hui, il a mouillé toute la nuit. C'est nuageux pas mal. Fait que je vais peut-être partir, passer en avant de la butte, aller voir les gars avant de partir. Si c'est pas bon, ben, hit the road. On se retourne à la maison. Bon ben, de retour à la maison. On est dans le magnifique parc. Il fait beau comme d'habitude. Belle grosse brume et il fait 11, il fait toujours plus chaud que 4, 3 quand même, quand t'es arrivé vendredi. C'est un super bel événement. Merci beaucoup énormément à Ben et Hugues, je pense, qui ont organisé ça. C'était notre deuxième fois. Puis on a vraiment aimé ça. Si jamais vous voulez venir puis vous venez avec une petite famille puis vous n'êtes pas trop sûr de parquer dans le parking de l'église avec la petite famille, je vous suggère le camping du Cap Jaseux. C'est un super beau camping avec une belle plage, une petite piste d'avertissement pour les enfants, genre en arbre, beaucoup d'activités. Donc, ça vaudrait la peine, c'est un super beau camping qui est très proche de Saint-Fulgence à 5 minutes. Avec vous autres les gars, avez-vous aimé ça? Maman? Oh, pas là, il y a maman. Okay. Fait que. Bon, ben, retour à la maison tranquillement. Fini une belle fin de semaine. Chez nous, à Saint-Angèle-de-Laval, au restaurant du quai. Au quai des Brasseurs. Du tartare, des oignons français, des crevettes popcorn, de la poutine, 11 mots la madame. Merci encore au festiciel, super belle fin de semaine. Et on va se reprendre l'année prochaine, c'est sûr. William. Fais pas ça, William. J'ai pas réussi.